bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live et salut Soren, bienvenue sur ce live du coup. J'espère que ça va bien, on se retrouve pour continuer notre petite aventure sur City of Gangsters, ça se passait pas trop mal. Notre objectif pour l'instant c'est de gagner deux élections, donc ici essayer d'arracher cette circonscription à notre précédent personne soutenue. Et d'ailleurs, il y a peut-être un problème de recalcul parce que je me souviens pas qu'il y avait autant de sous, mais bon, admettons. Et ici, normalement, elle a des bonnes chances de gagner sans qu'on soit obligé de trop s'en occuper, mais on va regarder ça, regarder un œil. Et salut Squash Belge, bienvenue sur le live. Alors, toc toc toc. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est que dans les deux années qui viennent avant la prochaine élection, on essaye de se bâtir un petit empire du jeu. Donc on aura nos deux objectifs d'améliorer nos bâtiments là, et après on s'occupera de ça. Où est notre chef? Il est là. Alors, qu'est-ce qui faisait de beau? 11 points d'action, 5, il a plus de thunes. Ah oui, on venait de lancer ce petit coin, c'est vrai. Du sirop de malt. Non, ça va, c'est pas une priorité de réavoir du sirop de malt, on a déjà du coup normalement un petit peu de stock. Voilà, pour au moins 3 productions, c'est surtout les pots en grès comme d'hab qui manquent. Mais c'est acceptable. C'était pas colonel Squash ? Il me semblait. Là c'est pareil, on avait dit qu'il fallait aller jeter un œil ici parce qu'il y avait des gens qui se mettaient sur la tronche. Donc on va commencer à faire revenir Viola. Et elle, on ira les récupérer aussi, le moment venu. Tac 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 tac, elle est où le... Je retrouve plus... Ah voilà. On peut pas savoir si on peut de nouveau lancer une action tant qu'on n'a pas été, donc on va y aller. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Du coup, on va aller jeter un œil ici. Parlons de projet de campagne. Un petit dîner caritatif, ça me paraît bien. Allez, c'est parti pour un petit dîner caritatif. Ah, c'est cool, l'autre il s'est plombé le cul tout seul là, Peter Murphy. Donc on devrait pas avoir grand chose à faire ici pour gagner. Ce qui est d'autant mieux, bien sûr. Alors, ce serait bien de vous interrompre et d'aller réparer quand même à un moment. Tu vas venir ici. Toi aussi. Ouais, là, on n'a pas ce qu'il faut. C'était prévisible. J'ai interrompu l'action, mais pas, j'ai pas interrompu complètement le truc. Donc, en fait, ils continuent de faire leur vie. Très bien. Interrompons la livraison. Interrompons la livraison. Voilà. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'ici? Non. Réparation. Ah, il n'y a plus de points d'action. Et toi, est-ce qu'il te reste des points d'action? Ruby, ma chère. Plus de points d'action. Vous allez attendre le prochain tour. Et vous vous réparerez. Et puis c'est tout. Un train qu'au signe, parfait. Merci Soren. Maréchal autoproclamé. Tout un programme. Alors lui, il voudrait qu'on l'aide. Il dirait qu'on l'aide à s'agrandir un petit peu et il nous filera des infos, pourquoi pas. Voilà, on récupère notre enveloppe. Ce serait pas mal du coup si on pouvait récupérer la compétence qui permet de...
de récupérer des bouteilles. Production de cidre, extraction extra. On augmente de 50% la production de moonshine. Waouh! Construction de garage, porte secrète. Non, il n'y a personne qui nous vend, qui nous permet d'acheter cette compétence, mais il y a quand même des trucs sympas là. Porte secrète, alambic charentais amélioré là, ça peut être cool. Est-ce que j'ai passé le tour? Non, j'ai pas passé le tour. Donc toi, t'as encore du taf. Viola, elle est où? Viola, elle est arrivée, hein? Au taquet. En attendant que les véhicules soient réparés, elle va fouiller un peu. Nous, on va passer chercher nos enveloppes. Normalement, là, il en a pas tout de suite besoin, c'est bon. Ici, il y a une petite enveloppe aussi. Tu vises le titre de déité absolue, Squash. Effectivement, je pense que c'est... tant qu'à faire, hein, autant faire les choses bien. Là, on a raté de justesse la production, mais c'est pas grave. Ça va se permettre de se faire. Ici, est-ce qu'on a des réserves suffisantes? On a un peu de cidre. On a 82 moonshine, ça va. On en vend 11 tous les 4 tours, donc il y a encore de la marge. Ici, on va déposer tout ce qu'on a. Là, c'est pareil. On va tout déposer. Toc. Toc. On garde juste les armes. Et on va aller se faire une petite fête. Alors non, il leur faut un petit peu de sous s'ils veulent pouvoir réparer, c'est vrai. Gardez donc 100 balles chacun, chacune. Et on va se diriger par là-bas. Hop, on répare. Voilà. On répare le camion de Marianne. Et du coup, tout le monde vient là. Elle a eu le temps de se guérir, mais elle va pas aller loin. C'est Ruby, non, c'est Viola qui va lancer le... la danse. Toc, toc, voilà. Bah ouais, les morts en sursis, c'est... Voilà un pied de biche quand même, hein, et un cran d'arrêt. C'est parti, on y va. Alors, oh la vache, elle s'est bien défendue, hein. En fait, elle a droit à une attaque par personne qui l'attaque, tant qu'elle n'est pas morte. Très bien. Viola, elle a pas one shot malheureusement, donc elle a pu se défendre. Le maire attelait à la promotion des produits locaux lors de sa tournée électorale. Mais bien sûr, les produits locaux, c'est important. Bon, on récupère pas grand-chose. En gros, son équipement. Vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Alors... Ah non, t'es sérieux? Non, je peux fouiller là. Ouais. Il faut que je le trouve. Voilà, je me disais, si je trouve pas ce truc là, je peux pas le fouiller, ce serait vraiment abusé. Alors, un fût de bière, carrément. Cool. On va fouiller avec tout le monde. Ah non, là, c'est vide. Et là, c'est vide. Ok, bon bah du coup, vous deux, vous êtes repartis. On a découvert le fût de bière. Le gin et le vodka en bouteille. Ouais, franchement, pas une mauvaise récolte, je suis d'accord. C'est plutôt propre. Et du coup, je pense que Viola, on va l'envoyer fouiller un petit peu le coin, voir si...
il n'y a pas des personnes intéressantes éventuellement dans le coin. D'ailleurs, on pourrait lui donner la voiture au final, hein, parce que c'est elle qui a besoin de se déplacer. Ah non, on peut pas le retirer parce qu'il est, en pleine bagarre. On les échangera au prochain tour. On gardera le pick-up avec le sling parce que souvent, vu que c'est lui qu'on gère, qu'on micromanage, on a moyen d'avoir besoin de se déplacer. Donc toi, tu vas prendre le véhicule à deux portes. Toi, le pick-up. De toute façon, il y a plein de trucs dedans dans les deux cas. Alors, Moon. Zut, je t'ai enlevé de là. Attendez, je me suis planté là, non? Oui, je me suis planté. Ouais, mais pourquoi Viola elle est pas en haut là, hein? Pourquoi elle est là? Ça va pas du tout ça. Moon, tu prends le pick-up et Viola, tu prends le véhicule à deux portes. Voilà, c'est mieux. Et du coup, Moon, tu reprends ta livraison, s'il te plaît, et tu te barres d'ici. Et du coup, nous, on a... Ah, on a le camion de livraison, putain. Tu vas y arriver. Le pick-up, c'est pour le signe, le camion de livraison, c'est pour elle. Voilà, c'est bon. C'est qui a pris un niveau? C'est Viola qui a pris un niveau. On a dit qu'on lui faisait monter un petit peu son déplacement. Puisqu'il en faut pour aller explorer les nouvelles cases. Ah bah tiens. La bande de Romano, c'était elle qui devait se mettre sur la tronche. Alors elle, elle nous aime pas. Ce qui veut dire qu'elle peut nous attaquer spontanément. Ok. Wow. Ouais, alors là on a éliminé la concurrence, du coup elle est pas contente. On va quand même rentrer se soigner, hein, parce que avec l'autre qui est agressif juste à côté, ça peut mettre le dawa. Toi, tu peux te déplacer, toi. Non? Si, tu peux te déplacer. Reste pas dans le coin, s'il te plaît. On va en profiter pour dropper ce que t'as récupéré. La bière derrière la boutique, le cidre, ça, ça et ça. Voilà. Et t'es reparti pour ta livraison. Ici, on se met un petit coup de soin. On en profite, on va récupérer ça. On va récupérer... Ah oui, c'est vrai qu'on avait les 90 caisses de vin de contrefaçon là, qui font bien plaisir. Qu'est-ce qu'il nous faut ici si on veut améliorer en speakeasy de quartier? 20 meubles, on en a 10, 4000 balles et 20 caisses. C'est pas mal. Pas tout de suite, mais c'est pas mal. Touche, touche, touche. Tu connais pas l'expression mettre le dawa? C'est peut-être une expression locale de chez moi, hein, c'est pas inenvisageable. On va faire cette quête là. C'est assez simple à faire et ça peut te rapporter assez gros. On passe le tour. Ah, Viola a gagné son petit pseudo. On va l'appeler Squashy. Viola Squashy Hoffman. Donc là, elle ne nous aime pas. Alors, Nicolas. Maîtrise du Charentais. Ouais, ça me va bien. Eux, ils sont repartis faire leur taf, c'est parfait. Viola. Je pense, ouais, que Squash est probablement le plus vieux ici. Mais bon, c'est pas un concours, hein. Allez, tu déposes et tu te soignes. Le signe.
Il faut que tu nous récupères un petit peu de quoi financer nos investissements. On va embarquer un petit peu de vin de contrefaçon, on va trouver un endroit sympathique où on pourrait le vendre. Alors on peut le vendre ici, mais je crois qu'on n'a pas négocié le prix pour le vin ici, on a négocié pour autre chose. Si, c'est parfait. Elle nous achète du vin un max. Le gin, on va en vendre un petit peu aussi. Alors ça fait bien plaisir de voir la thune tomber. Waouh. Parfait, parfait, parfait. On va aller faire cette quête là comme prévu. Tant qu'on a nos deux pieds de biche dans la voiture. Alors, ça devait être un saloon ou un truc comme ça avant la prohibition. Nous devons trouver un placard rempli d'articles de bar. L'autre contenait ces énormes tonneaux français pour fabriquer de l'agneau. Est-ce que quelque chose vous intéresse? Alors, on peut prendre les verres, les gros tonneaux, ou les deux. On prend tout. Hop là. Ouais, plus de pognon sur les jeux du single. Hein. Alors, du coup, ses compétences. Double tonneau. Vous pouvez installer des tonneaux extra larges que vous avez trouvé dans votre fabrique de gnôle pour réduire les matériaux utilisés dans la production d'alcool de 20%. Ah, pas mal. Mesure sanitaire. Non, c'était pas ça, c'était les verres en cristal. Utilisez les verres de bar d'avant la prohibition que vous avez trouvé pour faire de plus de profit dans vos bootleggers et speakeasy. Donc du coup, là, maintenant, on peut mettre verre à l'ancienne pour 500 balles. Cool. Et donc par exemple ici, je pourrais dire... Non, là. Ah non. C'est une amélioration? Non, c'est pas une amélioration. Alors peut-être qu'il faut quelque chose de particulier pour pouvoir le faire. Alambic à grains de grande capacité. Non, on n'a pas nos doubles tonneaux. Bah ils sont où nos doubles tonneaux? C'est aussi dans les speaks ici qu'on peut les mettre? Même pas. Okay, on peut investir dans une petite, dans un peu de pub, ça coûte pas cher. Ouais, mais on peut mettre qu'une seule amélioration, donc. Bon, je sais pas pourquoi. Faut peut-être attendre un tour que les doubles tonneaux soient livrés. Ouais, faut qu'on clôt quelques quêtes. Après, le problème quand on clôt pas de quêtes, enfin quand on a des quêtes en attente, voilà, c'est qu'après on a des petits trucs partout. Il y a des gens qui veulent vous parler. J'aime bien que des fois ça soit un peu plus calme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on pourrait aller vendre de l'alcool. La bière artisanale. Alors, 150 pots de bière artisanale, on peut lui filer. Waouh! Ah ouais! Bah du coup il va falloir qu'on arrête d'en vendre là. Alors normalement on peut désactiver les trucs. Activer ou désactiver, ouais c'est ça. Donc on va se contenter de tout ce qui est juste production de bière. On va désactiver toutes les ventes. Enfin, ça aussi du coup. T'as de la bière sur toi j'imagine, même pas. Donc parfait, donc elle va juste s'occuper de fabriquer de la bière. Et après on va aller tout vendre. Projet de campagne ici. Il faut que tu te bouges les fesses. Un grand rassemblement. En avant. Cool, il est en train de se battre là. Il est en train de bien se battre. Il va falloir qu'on aille parler un petit peu aussi aux gens du cru pour parler des personnalités politiques. Voilà. On va faire ça. 5 faveurs ici, 2 faveurs ici. On va claquer un peu de faveurs. Sauf si je me gourde une case encore une fois. Alors, toc.
toc. Voilà. Vous allez voir comment les gens du cru vont soutenir nos candidats d'un coup d'un seul. On va finir cette quête aussi, on a combien sur nous? 600. C'est suffisant. Toi t'es en train de récupérer, ok très bien. Là ça bosse. Oula, il s'en est passé des trucs. Une descente, ça ne nous intéresse pas forcément. Une descente, ok. Quelqu'un voudrait nous faire une offre. Pourquoi pas. Marianne a gagné un niveau. On va garder le pro de ruelle. J'aime beaucoup le pro de ruelle. Ça évite que ça parte trop en sucette. T'as pas d'argent sur toi, c'est ça? Ouais, t'as pas d'argent. Il faut qu'on change ça jusqu'à 100. Voilà, plutôt ça. Déposer jusqu'à ce que t'aies 100. Comme ça au moins, ça marche dans les deux sens. Si elle a plus, elle dépose jusqu'à 100. Si elle a rien, bah au moins elle prend 100 quoi. Alors, l'argent est roi, c'est officiel. Vous voyez le camion devant, les clés sont sur le siège avant. Tout est arrangé pour que vous puissiez l'utiliser comme bon vous semble. Alors, on peut gagner le pick-up. On peut démarrer une nouvelle quête où on cherche à vendre de la bière. À construire de nouvelles relations. Dix bois et des briques, d'accord. Donc il va falloir qu'on fasse de la livraison. On va faire un petit peu de livraison. On a récupéré du coup un pick-up supplémentaire, c'est parfait. Squashy, t'arrives à récupérer? Putain la vache, Squashy elle a pris cher hein. 3 tours Kegland, 2 tours Kegland. Hop, on récupère la petite enveloppe, c'est toujours ça de prix. Si ça fait longtemps qu'on n'est pas passé aussi. 50 balles. Et donc là, on a un petit peu d'alcool et on doit avoir des meubles en plus, c'est parfait. On passe ici, on récupère la binouse et les meubles, on peut en prendre qu'un, donc du coup on passera plus tard. C'est vrai qu'on avait ces trucs là à vendre aussi. La bière derrière boutique. Ici, là, là. Bah c'est vrai, hein, je comprends que la petite luxation de l'épaule, c'est jamais agréable. Hein. À force de mettre des coups de crosse dans la mâchoire. Hop, voilà, on fait un peu de place. On va passer à la gare, déposer l'alcool. Regardez ici, du coup, il en est où? Oh là là, t'as chié dans la colle, quoi. Marvin, là. Il galère un peu notre ami Marvin, on va pas se mentir. Ouais, bon, il va falloir qu'on fasse autre chose. Ici ça se passe comment? Bon ici elle se déberne très bien toute seule, pas trop besoin de nous. On va aller chercher les meubles. Et au prochain tour, on récupère Squashy. Ah, on a de l'XP. C'est Ruby. Ah, on pourrait mettre Ruby capitaine. On a dit que le premier capitaine qu'on voulait, c'était Squashy. Donc, je pense qu'on va augmenter un petit peu ses points d'action. C'est une livreuse Ruby. On l'aime bien Ruby, elle est efficace, mais ça reste une livreuse. Je vais prendre l'enveloppe. 148, parfait. Et maintenant, les meubles. Hop là. Toi, on te vend un petit peu d'amaretto. Voilà.
c'est trop tentant, je vais vendre le vin. C'est beaucoup trop tentant. En plus, elle en achète plein. Donc on a vraiment zéro intérêt à se priver, surtout qu'on l'a payé ce vin. Voilà, là on est bien là. 2900 dans notre petit pécule. Alors du coup on va faire cette quête là, parce que cette quête là c'est un truc limité de mémoire. Ouais, là on croule bien sous le flouze là, ça fait plaisir. Bon, ça va pas durer parce qu'on va dépenser comme des dingues hein, mais... Alors, on peut gagner un nouveau véhicule, encore un pick-up. On a plus de place de parking malheureusement. On peut reprendre 1200. Du vin en brique et du concentré de raisin. C'est dommage, y'a rien pour faire de la bière. Si on vend ça. Même 10, ouais, chic. Je pense que ça c'est le plus rentable. On va envoyer ça à notre speakeasy. Ici on en est où de la production? On n'a pas assez de pots en grès, il nous faut des pots en grès. Petite remise, on prend tout. Non, c'est là. C'est pas le moment de rater des productions parce que notre livreuse galère. Alors... Squashy Hoffman. Donc ici, on sait qu'elle, elle nous aime pas. Ce qui n'est pas forcément un problème. Mais tu voulais qu'on l'aille explorer par là. Donc on va relancer par là. La petite exploration. Il faut faire gaffe parce qu'on croule sous le flouze, mais c'est purement du ponctuel. Hein, donc on peut... En vrai, on gagne 123 de revenus du commerce. Quoi. C'est pas ouf, quoi. Donc faut rester calme quoi. Un de commerce de façade. Ah mince, ça doit être celui-là là. Ouais bah en même temps il le cache alors. C'est pas cool. Bon, en avant, on y va. On va faire ça en priorité du coup. Non, la quête pour l'instant non. Voilà, relance-toi, relance-toi, tout va bien, c'est pas un problème, on a de l'argent. Là, faut qu'on claque du budget de campagne parce qu'il faut que ce monsieur, voilà, remonte un petit peu dans, dans les sondages là. Ici il y a une seule faveur, ici il y a deux faveurs, on peut se permettre d'en claquer une, on va le faire. Hop. Alors ta quête ce serait quoi? Un appareil à laver la vaisselle. Non, on mettra des verres dans notre speakeasy, donc non, pour l'instant non. Ah mais on t'extorque pas toi. Bah on va t'extorquer, excuse-moi, j'avais oublié. Je suis vraiment désolé. Ah oui non du coup on n'est pas dans la bonne zone donc on peut, il peut pas soutenir notre, notre gars lui. Ici on a une seule faveur, ici on aurait 5 faveurs éventuellement. Ici il y a des faveurs aussi, on peut y aller. Squashy ma chère. Plus de points déjà. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. C'est pareil, hein, y a un truc qu'on n'a pas du tout commencé, c'est le côté relation mondaine. Là, normalement, on peut rencontrer les gens, leur dire coucou. Est-ce que vous avez entendu parler de petites soirées? Et du coup, il y a des gens, des civils, on pourrait dire. Des gens lambda qui organisent des soirées, on peut y aller, se faire des relations, rencontrer des nouvelles personnes. Il y a tellement de trucs à faire dans ce jeu.
Est-ce que elle est en train d'aller taper là, là? On va voir. Ok, elle se balade. Si elle vient foutre la merde par contre, clairement, on va la calmer assez vite. Hein. Il n'y a pas photo. Ici. Ta quête, c'est quoi? Ok, il veut nous faire le coup des lave-vaisselle. Mais j'aimerais bien que tu parles de la personnalité politique locale. Ce serait fort sympathique. Un petit boost. Ici, sauf gros échec. Ah, il y a un rapport d'enquête qui a exposé des dons suspects. Ouais. Bon, sauf si elle se foire, ça devrait aller quand même, je pense. Eh tiens, est-ce qu'avec nos sous là, on pourrait pas investir dans une maison de jeu? Pourquoi pas? Ou alors on investit dans agrandir ça. Ici, on arrive à l'écouler notre moonshine, hein, mine de rien. Donc non, il faut qu'on agrandisse ça. On a plus assez de bouteilles. Ah oui, on a plus assez de bouteilles, dis donc. Pourtant t'en fais 50 toi. 50 tous les 5 tours. Et on utilise 40 tous les 5 tours. Où sont passées nos bouteilles? Bizarre. Ouais, j'ai une quête de jeu de hasard, Squash. C'est une quête en fait où j'ai... Comment pour améliorer une compétence liée au jeu de hasard. Mais vu que pour l'instant, tu vois, on pourra aménager de nouvelles installations, ça nous permet de mettre d'autres trucs dans nos salles de jeu, mais pour l'instant on n'a pas de salle de jeu. Mais oui, faut la faire absolument. C'est des tous ces petits trucs là avec le petit chapeau, c'est des compétences. Et ça, c'est des quêtes globales quoi. Ici, toi, t'as pas encore fait ta production. Hein. Non. Mais t'as ce qu'il faut. Qui c'est qui nous achèterait notre bouteille de vodka là? Ah. Personne nous achèterait notre bouteille de vodka. Du coup, c'est peut-être un truc qu'on pourrait commencer à vendre ici. Non. Bon, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. J'hésite, franchement j'hésite, on a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. J'hésite tellement que je pense qu'on va arrêter l'épisode de VOD là, et on va décider de ce qu'on veut faire. Pour la suite, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à dire au revoir dans le chat, si vous souhaitez, à la VOD. Et on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.